joue contre la Suisse. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est les infiltrer total. On s'est mis au beau milieu, comme vous pouvez le voir derrière moi, des supporters suisses, tous réunis ici à Rio, autour de la lagune. J'ai perdu mon couteau. Mais où est-il? Alors, comme nous vous le disions, nous sommes à Rio. Ici, vous pouvez le constater, nous avons trouvé des supporters suisses. Alors, comment vous allez? Très bien. Aujourd'hui, la France va jouer contre la Suisse. Vous avez peut-être un petit pronostic à nous prodiguer? Nous sommes brésiliens. Vous êtes brésilien? Oui. Vous êtes brésilien et vous portez des maillots suisses. Tu trouves? J'ai perdu mon couteau. Qui a vu mon couteau, les mecs? C'est pas toi qui as mon couteau? Putain, j'ai perdu mon couteau. Ah! Mais heureusement, regardez, heureusement, on a un couteau suisse. Que demande le peuple? Au Brésil, vraiment, on trouve de tout. Hein. C'est vraiment la folie ici. Brigade. Pour Mermet. Atrás ali pro Rodrigues. França jogando pros contra-ataques, aproveitando da velocidade dos seus jogadores. Campeonato brasileiro, voilà. Mundial, na verdade. On est en direct, une confrontation argentin, brésilien. Voilà, Diego, on est venu interviewer Diego, des Français et des Suisses. Diego, on se retrouve entre les Brésiliens et les Argentins. Messi est meilleur que Neymar, lejos. Je trouve ça absolument génial. Non. Vocês sabem que Maradona é mais grande que Pelé, na verdade não é, porque Pelé, Santo, Pelé é o atleta do século. Eu ia cortar todos. Acá em Brasil, o único que ganhou foi Celeste. Vamos, Uruguaio! Allez, là-dessus, je crois qu'on peut clore le débat. Merci, messieurs. Original Brasil. Mais ils sont où les petits Suisses? La 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 la.